Je m'appelle Simone Fabien, je suis embauché à la COGEDA depuis 13 ans maintenant. Et mon rôle, c'est de faire la fabrication, de transformer le blé en farine. Le blé est acheminé par bateau sur l'île de La Réunion. Par le biais d'un transporteur local, on achemine jusqu'à la COGEDA. J'ai un contrôle visuel. Puis par la suite, le transporteur me donne son BL. Je stocke en fonction du BL donné. Puis on a un pré-nettoyage et stocké en silo. Et quand on a besoin du blé, on enlève du silo, on a une étape de nettoyage, on a un mouillage pour qu'on puisse faire plus facilement l'écrasement, puis est stocké en chambre dans à peu près 12 heures. Après les 12 heures passées, on sélectionne notre blé pour faire l'écrasement au niveau du moulin, puis par la suite, c'est stocké en chambre. Arrivé en chambre, les opérateurs dans sa charge viennent nous voir pour les différents tirages qu'il a pour les divers sachets. Alors, notre mission de chaque journée, c'est déjà avoir notre fiche de fabrication qui est délivrée par notre responsable de production et aussi de contrôler la bonne marge de l'usine, vérifier les différents réglages et aussi avoir une qualité de farine bonne. Quand j'étais embauché ici, j'étais qu'un simple conducteur de moulin. J'ai monté de grade pour arriver à ouvrier de production. Et maintenant, je suis responsable de la fabrication et en collaboration avec le laboratoire, la panification et mon responsable de production. Quand on voit les différents sachets de meunier de Bourbon sur les étalages des supermarchés, c'est un très grand plaisir de voir qu'il y a un petit peu de nous-mêmes qui est dans ce sachet et aussi de voir qu'on représente La Réunion. C'est un produit fait par nous, fait par les rayonnais et c'est un très grand honneur de faire partie de cette équipe de production.